Bonsoir, mesdames, messieurs. Soyez les bienvenus dans ce septième webinaire sur la géologie des phosphates marocains, dépôts et préservation. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Ce septième webinaire fait partie d'une série de webinaires organisés par l'Université Mohamed VI Polytechnique, qui célèbre la centenaire de l'ECP, et donc il fait partie d'une série de webinaires. Donc moi et mon ami Akit, Mohamed Akit, nous sommes très heureux et honorés de participer avec ce modeste webinaire que nous espérons qu'il sera à la hauteur de l'événement. Donc, avant de commencer, je vais me présenter. Je suis le professeur Mustapha Mouflech. Je suis enseignant-chercheur à l'université Hassan II de Casablanca, que j'ai adhéré en 1989. Actuellement, je suis professeur de l'enseignement supérieur. J'ai obtenu deux doctorats, deux thèses. Une, je l'ai travaillée sur les phosphates de Ben Guir. Et la deuxième, c'est une thèse de doctorat d'État que j'ai réalisée sur les phosphates de la Meseta et le Moyen Atlas. Mes compétences sont sur. Donc, en domaine de la sédimentologie des phosphates, la stratigraphie séquentielle et la géologie environnementale. En bref, donc, je dirige une équipe de recherche accréditée par l'université et qui focalise ses travaux sur les phosphates et les sites bitumineux du Sahara marocain. Donc, je vais donner la parole à mon ami Akit pour se présenter et présenter son profil. À vous la parole, monsieur Akit. Ok, merci, c'est Moufleh. Tout d'abord, je suis Akit Mohamed. J'ai pris mon doctorat d'État à l'université de Kiel en Allemagne en 2014, là où j'ai effectué une pause doctorale après ma thèse. Et j'ai rejoint l'OCP à la fin de 2015, où actuellement je suis chargé de l'extraction. Géologique, de l'exploration géologique de la zone sud. Mes principaux intérêts que sont de la sédimentologie, la genèse, la stratigraphie séquentielle des phosphates, et aussi j'ai déjà travaillé sur les schistes bitumineux de la région de Tarfaya El Aïn, là où j'ai publié plusieurs articles comme étant un auteur ou bien de co-auteur dans plusieurs revues scientifiques. Et merci, Simofler, c'est à vous la parole pour D'accord, continuer. c'est Akit. Voilà, je vais commencer ce webinaire par vous présenter le plan qu'on va adopter. Donc, pour nous suivre, je vais commencer par une introduction générale dans laquelle je vais essayer un petit peu de répondre à la question pourquoi on s'intéresse aux phosphates et particulièrement les phosphates sédimentaires. Dans un premier volet que je vais traiter, je vais vous parler des constituants des phosphates marocains, donc les secrets de la géologie, de la composition des phosphates marocains. Et dans un deuxième volet, c'est mon ami Akif qui va essayer de vous parler, comme étant un monsieur d'exploitation des phosphates, il va donc vous faire voyager dans les phosphates en termes d'affleurement, de couches, et si vous voulez, d'image. Et dans un troisième volet, je vais vous donner le plus important de la genèse, de la formation, c'est-à-dire comment ils se forment, comment ils se sont formés, les phosphates marocains. Et on va clôturer vers la fin par une conclusion générale
et vous donne, on vous donnera la parole concernant donc les questions donc, et vous donnerez, on vous donnera des réponses. Donc, en termes d'introduction générale, les phosphates ou ce qu'on appelle les phosphorites, donc c'est la même chose, ce sont des roches donc naturelles qu'on trouve dans la nature, mais ils ont une caractéristique, c'est qu'ils ont des teneurs supérieures ou égales à 18% en termes de P2O5, donc en phosphate. Et lorsque la teneur il est moins que ça, ils sont donc, on dit, c'est des roches phosphatées, donc des calcaires, des marais, etc., phosphatées. Donc, on attribue le terme phosphaté comme caractéristique, mais pas phosphate ou phosphorite. Donc, c'est la source, donc les phosphorites et les phosphates, c'est la source la plus importante de l'élément phosphore sur Terre. Donc, c'est-à-dire, le phosphore n'est pas très présent dans la nature. Donc, que c'est dans ce type de matériaux qu'on le trouve en concentration importante. Donc, on s'intéresse donc aux phosphorites, aux phosphates, parce qu'ils contiennent essentiellement donc un élément très, très représenté. Donc, cet élément phosphore, il est comme élément indispensable à la vie, parce qu'il rentre dans la constitution des cellules, il est dans plusieurs mécanismes de la cellule, et il est également donc important pour la nourriture, pour l'énergie, pour la photosynthèse, etc. Donc il est donc indispensable à la vie. Et en même temps, c'est une ressource recherchée parce que on produit à partir de ces phosphates, on fabrique les engrais phosphatés. Dire engrais, donc c'est des fertilisants. Donc, des matériaux qui vont enrichir les sols, donc nourrir les plantes. Donc, en termes donc, de nourriture, donc, les phosphates seront donc des ressources importantes pour nourrir donc, l'ensemble des êtres vivants sur notre planète. Mais il y a quand même une contrainte à ne pas oublier que c'est des ressources qui sont non renouvelables, et c'est-à-dire qui ne se génèrent pas. Donc, il faut les gérer et les exploiter et les valoriser avec beaucoup de prudence. Ces phosphates ou phosphorites, donc, comme on vient de le voir, ici, donc, je présente devant vous une carte que j'emprunte de deux auteurs, Poufal et Grote. C'est une carte de répartition spatiale des gisements de phosphates sédimentaires. Parce qu'en fait, donc, si je reviens à la diapositive ici, c'est que les phosphates vers la fin ici en bas, que les phosphates, en fait, exploités, ils sont de trois types. Trois gisements, donc, types de gisements sont exploitables dans le monde. Les gisements sédimentaires, les gisements de roches ignées ou associés à des roches magmatiques, et les gisements d'arc insulaire ou guano. Ici, sur cette carte, on présente la répartition des phosphates sédimentaires qu'on voit qu'ils sont connus dans les différents continents du globe. Ce qui résume que ces environnements sédimentaires sont de loin les domaines les plus importants qui concentrent donc les phosphates. Et nous, on s'intéresse bien sûr aux phosphates marocains. Donc, si on veut chercher où se trouvent ces phosphates par rapport à ces phosphates dans le monde, parce que les phosphates donc sédimentaires, ils sont répartis dans toutes les âges de la stratigraphie, donc toutes les âges géologiques. Pour les phosphates marocains, on dit qu'ils appartiennent à ce qu'on appelle la province phosphatogénique sud-titicienne. C'est une zone qui s'étend sur presque plus de 5500 kilomètres et qui donc s'étend de l'Afrique du Nord jusqu'au Moyen-Orient. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il représente 85% des réserves du phosphate connues dans le monde. Et donc, ce sont les plus grands gisements du monde, donc selon Jasinski. Et donc, en même temps, donc, on explique sur le plan géologique, donc, cette province donc, titicienne
de plan de sur le plan stratigraphique, ou âge, pardon, ou âge. Donc, on regardait, donc, il a un âge qui entre, donc il apparaît vers la fin du Mésozoïque et donc le début du Cénozoïque. Donc, l'âge, donc, il est dans l'intervalle Crétacé supérieur paléogène, donc, plus précisément, le Turonien et Ypresien, avec 46 millions d'années, donc une durée de 46 millions d'années. L'âge pour précisément des phosphates marocains, il s'inscrit donc dans l'intervalle, comme vous le voyez, donc sur le maastrichtien, donc juste à la limite KT, et en passant vers le danien et rien, donc c'est un âge maastrichtien et prisien. C'est à peu près 25 millions d'années. Donc ces phosphates-là, donc de la province titicienne, comme vous le voyez, il y a l'Israël, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, donc tout un ensemble de gisements. Et le Maroc, donc il possède, si on regarde ça, même avec les gisements donc, du monde entier, nos phosphates constituent les 72% en réserve, donc selon l'auteur Jasinski en 2020. Donc c'est très récent. Donc il constitue la première ressource des phosphates dans le monde. Donc ces ressources donc en phosphates du monde, donc sédimentaires, donc je n'ai pas parlé des ressources magmatiques ou moineuses, donc on va les voir tout de suite. Magmatiques, c'est des phosphates qui sont liés à des intrusions magmatiques, sont des roches endogènes qui vont venir vers la surface, mais c'est des roches qui sont liées à la température. On parle de phosphates liés à une apatite magmatique. Là, par contre, les phosphates sédimentaires, ce sont des roches qui se forment en surface de la Terre. Et là, le Pofal et Glorot, ils nous donnent les environnements de dépôt des phosphates sédimentaires et d'arc insulaire. Donc, sur une vue paysage, on voit donc les phosphates donc de la marge, donc où il y a l'influence de la marée, l'influence donc du continent et de la mer, c'est ce qu'on appelle donc les phosphorites péritidaux ou péritidales, donc les phosphorites ou les phosphates péritidales, et les phosphates, donc juste après les phosphates liés aux apouïnes, donc les phosphates de la plateforme et du début du talus, et vers le large, vers l'océan, on a les deux types de phosphorites ou de phosphates, c'est donc les phosphates d'arc insulaire et les phosphates donc des monts sous-marins, donc des montagnes sous-marines. Les phosphates d'arc insulaire sont des phosphates qui apparaissent dans les îles du fait de l'interaction entre les éjections d'oiseaux. Donc ces îles-là, donc les rejets de ces oiseaux, donc va interagir avec des supports calcaires, la roche calcaire, et nous donne ces phosphates. Alors que nous, les phosphates sédimentaires marocains, ils s'intègrent dans les phosphates donc type style phanérozoïque liés aux appuis. En bas, en fait, de la figure, j'ai introduit donc les noms de certains milieux. Milieu marin donc actuel et ancien. Donc dans ce sens, donc pour un peu aller encore pour comprendre comment ce sont donc les phosphates vont se former et comment ils vont se configurer dans la nature. Donc on doit quand même s'introduire donc comment le phosphore globalement, il va, si vous voulez, transiter dans les phases ou les réserves donc sur Terre. Ici, donc la phase la plus dissous ou mobile, c'est ce qu'on appelle les ions orthophosphates. Ces ions orthophosphates, c'est eux que normalement, donc lorsqu'ils seront donc le phosphate, il va être mobilisé sous forme de ces ions. Donc pour que, par exemple, la matière organique peut faire appel à ces ions orthophosphates pour les assimiler sous forme de biosynthèse, ou les minéralistes, c'est-à-dire lorsque les organes vont mourir, ils vont se décomposer en se minéralisant, en donnant des ions
Orthophosphate dissous. Alors que le phosphore inorganique, c'est-à-dire aussi les ions orthophosphates, peuvent donc s'adhérer ou se fixer sur la matière organique, sur les argiles, sur les carbonates, sur les hydroxydes de fer et aluminium. Donc, en surface de ces minéraux. Par contre, il peut aller encore plus. Les ions orthophosphates peuvent donc participer à l'édification de cristaux, donc de minéraux. Donc, c'est là où on peut avoir des précipitations ou encore se dissoudre le minéral peut se dissoudre et donner des ions orthophosphates. Donc, ça, c'est globalement donc, le phosphore. Donc, dans la nature, comme mode de transport, de transfert, il peut être dissous, particulière ou organique. En détail, donc, dans la nature réellement, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un cycle de phosphore. Et bien, dans un cycle de phosphore, la source, dans la source, donc, la migration de ces ions orthophosphates, ils vont venir, donc, on regarde du haut vers le bas de cette slide. Donc, les roches ignées sédimentaires, donc, en faible concentration, ils vont libérer par altération, donc sous la merci des pluies, des vents, donc les agents météoriques, ils vont donc libérer les ions orthophosphates pour donc migrer vers les sols, migrer vers le sol. Et donc à travers ou les autres surfaces, donc, à travers donc cette migration, donc il y a un cycle secondaire qui va commencer, c'est le cycle donc où donc les ions orthophosphates vont migrer ou vont donc être assimilés par les végétaux et par la suite ils vont être consommés par les animaux. Donc ici on va avoir du phosphore donc qui va apparaître le phosphore organique. Donc en même temps aussi les orthophosphates vont migrer des sols et donc les eaux de surface et les eaux pluviatiles vers les océans. Et c'est au niveau de ces océans, c'est là que ce qu'on a vu tout à l'heure, que donc on aura un autre cycle, ce cycle qui va apparaître, c'est le cycle marin, où donc on discutera par la suite, vers la fin de ce webinaire, la formation des phosphates, donc la phosphatogenèse. À côté donc de tout ce que vous voulez, ces petits cycles, donc entre le sol, le phosphore organique, le phosphore inorganique et les océans, il y a l'intervention de l'homme, l'effet de l'homme. Aussi, donc, l'effet de l'homme intervient dans le cycle de phosphore, donc, dans la nature, par l'intégration ou l'introduction des engrais, les détergents, donc, les composés phosphorés et tout ce qui est, donc, attaché à l'exploitation et la valorisation des phosphates sédimentaires. Donc, ça, c'est un résumé qui montre comment ça se passe, donc, ce transfert de d'ions orthophosphates. Maintenant, je vais passer au premier volet qui est, qu'on va faire dans ce webinaire, c'est la composition minéralogique des phosphates sédimentaires. Ben, les phosphates sédimentaires ou tout phosphate, on parle de tout venant, une roche, on prend de la nature phosphate, eh ben, il comporte deux, sur le plan minéralogique, il comporte deux phases. La phase minéraux dite phosphatée et la phase minéraux non phosphatée. Donc, en bleu et là, en jaune un peu foncé. Donc, la phase minéraux phosphatée, elle-même, il est scindé en deux. Il va être apatitique ou non apatitique, c'est-à-dire la majorité des minéraux qui portent le phosphore, donc qui minéralisent le phosphore, donc qui comportent le phosphore, ils sont soit apatitiques, soit non apatitiques. Apatitique, c'est la phase donc minerée. D'accord, c'est ce que j'ai mis en donc s'il concentre le phosphore. Il y a une autre phase dont le phosphate brut, c'est une phase non phosphatée. Donc c'est ce qu'on le mineur ou les exploitants ou les traitants appellent la phase stérile. C'est les argiles, c'est les carbonates, c'est la silice comme le quartz et c'est autre. Donc on peut trouver tout un ensemble de minéraux. C'est là, c'est ce qu'on cherche donc lorsqu'on veut concentrer un phosphate, à un peu diminuer ou à enrichir si le
les clients désirent donc un élément de ce type de minéraux dans le phosphate qu'ils cherchent, qu'ils veulent donc utiliser dans l'industrie. Donc, la phase donc, qui comporte le phosphore, donc, c'est une phase apatitique. Dans les phosphates marocains, cette phase, c'est une phase dite carbonate fluoroapatite ou encore fluorite, francolite plutôt. Carbonate fluoroapatite ou francolite. La formule générale de cette, il est devant vous, de cette carbonate fluoroapatite, c'est une apatite mais qui est carbonatée. Il comporte donc du calcium, donc le magnésium, du phosphore, du carbonate, donc des sulfates, etc. Donc ça, c'est une formule générale. Et au-dessous, vous avez une idée sur les teneurs en certains éléments, tels que la teneur en PdO5, 32%. Donc ça, c'est une apatite typiquement donc pure. Donc 32, 52, 4% en fluor, sodium, etc. Donc, pour comprendre plus pourquoi cette variété donc d'éléments dans cette structure apatitique, donc la carbonate fluoroapatite, je vais un petit peu vous donner brièvement comment il est structuré cette apatite. Parce que si on veut rentabiliser donc un phosphate en plan minerai, donc soit en concentration, donc soit en industrie, il faut qu'on connaisse ce secret. Comment il est structuré cette apatite. Donc, vous avez donc la figure A. La figure A, donc, on a ce qu'on appelle le calcium primaire. Donc, la première chose avec laquelle elle est construite, cette structure apatitique, c'est ce qu'on appelle le calcium primaire. Donc, le calcium primaire, il va rentrer dans ce qu'on appelle une structure hexagonale, un prisme hexagonal. Donc une structure cristalline hexagonale. Cette structure hexagonale, c'est donc des colonnes de calcium, c'est ce qui est en noir, donc des colonnes calciées, liées entre eux par des atomes d'oxygène. C'est comme des piliers. Et ces piliers, donc vous les voyez juste à côté, donc de ce qui est dans la figure A. Donc vous avez donc une vue latérale. Ces colonnes de calcium primaire, liés entre eux par des oxygènes, ils vont eux-mêmes être reliés entre eux par quoi? C'est là que va venir le phosphore s'intégrer. Ce phosphore va venir avec quatre molécules donc d'oxygène pour donc lier à chaque fois à droite et à gauche. Donc c'est la figure B. J'ai pris deux colonnes et ce qui est en rouge, c'est l'élément phosphore qui va venir prendre d'une colonne, trois atomes d'oxygène et de l'autre, un atome d'oxygène. Et il va alterner, donc, comme une brique, cette fois-ci, trois atomes de ce côté-là et un atome de l'autre. Et imaginez, une fois que vous aurez six axes qui vont se relier entre eux, ils vont vous donner une structure qui est la figure C. Cette figure C, donc, il va nous donner un système cristallin hexagonal. Les axes ternaires, c'est les axes de ce que j'ai appelé calcium primaire. Et le phosphore, donc, qui est, donc, le calcium, donc, ici primaire, et le phosphore, il rentre dans la structure. Si on va oser les casser, donc, on va dire, donc, tout, donc, si vous voulez, parpiller, donc, dans la matière. Donc, ce qui fait, quel que soit le traitement qu'on va avancer, il faut que cette structure reste. Ce qu'on peut jouer, sur le quoi on va jouer, c'est plutôt ce qu'on va retrouver par là ce qu'on appelle le calcium secondaire. Donc, le calcium secondaire, il va venir, cette fois-ci, dans cette structure en nid d'abeille, vous avez un réseau, ce que j'ai appelé ici en nid d'abeille, il est doté d'un ensemble de trous ou de tunnels. C'est-à-dire, en regardant latéralement, imaginez-vous un nid d'abeille, donc une structure en nid d'abeille, vous avez donc un vide ce qui est calcium primaire et le phosphore, et ben dans ces trous, dans ces tunnels, va venir un autre calcium, va venir le fluor, donc à l'intérieur, pour donc équilibrer les charges. Équilibrer les charges, et c'est ce que, dans la même figure C, on voit un tunnel vide, on voit le phosphore au centre,
entourer en premier lieu le fluor entouré par trois atomes de calcium secondaire, et dans le deuxième tunnel, la deuxième structure, donc des atomes de calcium aussi secondaire, mais plus bas, et l'ensemble, donc là, la structure complète vers la fin, avec six atomes de calcium qui vont entourer le fluor, et tous ces atomes-là sont avec des structures ou des liaisons larges dans ces tunnels. Eh bien, pourquoi j'évoque tout ça? Eh bien, parce que c'est ce calcium secondaire, ce fluor qui est donc en relation, si vous voulez, ou en structure, si vous voulez, facile à se mobiliser, c'est ces éléments-là qui vont avoir la possibilité donc d'échanger, de faire des substitutions. C'est pour ça qu'on aura dans cette structure apatitique beaucoup d'éléments chimiques qui peuvent se substituer, donc s'intégrer donc dans la structure apatitique. Donc c'est pour ça que les apatites sédimentaires, la carbonature apatite des phosphates sédimentaires, il est très riche en éléments chimiques. Donc finalement, lorsque la structure elle est complète, on a ce qu'on appelle un prisme droit à base losangique, c'est-à-dire un cristal à base losangique. C'est sur ce cristal, c'est sur cette structure qu'on fait la différence entre les différents apatites de la famille globale des apatites sédimentaires, ou des apatites globalement, donc dans ce sens. Donc cet apatite que je viens de dire, donc il est riche, il a la possibilité d'avoir des substitutions. Et le genre de substitution, je prends donc ce calcium, donc le calcium secondaire et ce calcium primaire, donc qui constitue ces liens, qui rentre dans la structure, ne bouge pas, et par contre le calcium secondaire, lui, par contre, il a la possibilité donc de vous avez les éléments possibles pour avoir ces donc le potassium, le magnésium, le strontium, les terres rares, mais aussi l'aliment, mais en sous forme de U4+, c'est-à-dire donc une taille plus petite, parce que la taille U6 est la plus grande. Donc, elle va être normalement adhérée en surface. Mais c'est des substitutions partielles. Partielles, c'est-à-dire en petite quantité. Le lion phosphore, lui aussi, dans certains cas, parce que cette structure, il est malléable, c'est-à-dire il peut se déformer, il peut s'arranger avec les charges. Et là, on peut avoir donc du CO2, du SO4, du chrome, donc on peut avoir donc le vanadate, on peut avoir de la silice. Tous ces éléments-là, les arsenates, ces éléments peuvent s'intégrer comme groupement donc dans cette structure apatitique. Le fluor, comme aussi que j'ai dit dans le sujet, lui aussi, il a la possibilité donc d'être substitué partiellement en hydroxyle, les chlorures, l'oxygène, etc. Là aussi, j'aimerais bien aussi vous évoquer aussi certains donc une formule ici donc j'apporte pour vous montrer donc certains éléments aussi, certains isotopes utilisés, parce que l'apatite sédimente ou magmatique, lorsqu'il est pris ou isolé dans un matériau donc sédimentaire par exemple, ou dans un matériau magmatique, il peut donc être utilisé en termes donc d'extraction et d'étude des isotopes. Donc ces isotopes, là je vous le montre, donc les six isotopes en oxygène, etc. Je le montre sous forme d'un tableau. Donc les isotopes de la fracoute et leur utilisation. Ces isotopes, ils ont donc la possibilité donc de nous renseigner, de nous apporter des informations très précieuses. Donc en les étudiant, donc géologiquement, ils peuvent par exemple nous donner l'âge, tel que le strontium, donc le rapport strontium 87 et 86, le nubidium aussi, donc on a l'uranium aussi, il peut nous donner donc une idée sur donc l'importance de le rapport du développement et de l'âge de certaines étapes du phosphate. Il peut aussi nous donner donc certains éléments comme l'oxygène, le carbone, etc., les isotopes de carbone, d'oxygène, du jour. Ils peuvent nous donner donc les paléoclimats, la température de formation, les conditions diagénétiques, c'est-à-dire comment le sédiment a évolué, à quelle fois il a été déposé. Donc, c'est des éléments qui sont très intéressants, qui renseignent sur donc l'histoire
donc de la mise en place ou du dépôt des fausses mains. Et là, je vous donne un exemple donc, que notre équipe a travaillé avec M. Kossis Laszlo en 2016 sur la série de l'ADAC 2. Donc ici, vous voyez que donc, certains terres tels que le cesium, ont été utilisés et qui montrent donc, sur, à la base de quelle apatite qui a été utilisée ici, c'est les dents, c'est les coprolites, c'est les éléments biogènes qui ont été sélectionnés et ils nous ont permis de faire des corrélations dans le bassin, entre le bassin de l'Edepzone et le bassin des Gantos. Tout à l'heure, on vous parlera de la série et comme ça, vous aurez une idée sur la succession des niveaux phosphatés dans cette série. Également, l'inhibidium a été utilisé dans ce sens. Maintenant, je passe. Donc, ça, c'est la composition minéralogique. Vous voyez que la composition minéralogique, il est très riche en éléments grâce à cette structure capable d'échanger des éléments donc, dans le milieu. Par contre, ici, je parle de la composition pétrographique. Par les pétrographies, c'est la roche. Donc, maintenant, ça, c'était le minéral. Donc, c'est le minéral, c'est l'élément, c'est la cellule. Maintenant, je parle de la roche, c'est la composition de la roche, on parlera d'organes, si je voulais, en termes de biologie, organes, donc dans la roche. Donc, les éléments figurés, qu'est-ce qui va figurer pour former la roche, Donc, mes travaux, mes derniers travaux sur les phosphates marocains m'ont permis de distinguer globalement quatre familles d'éléments phosphatés, de composants pétrographiques. Les particules squelettiques, c'est-à-dire tout ce qui est organisme, et d'ailleurs on a fait un webinaire qui a montré la richesse des phosphates marocains en fossiles. Il y a les grains phosphatés, donc globalement c'est des éléments arrondi sphérique qui ressemble aux billes avec des tailles pas spécifiques. Il y a les déjections d'organismes, c'est ce qu'on appelle les coprolites, c'est des rejets de poissons, des rejets de reptiles, d'invertébrés, etc. Et il y a ce que j'ai appelé des grains composites. Les grains composites, c'est des éléments phosphatés, soit qui vont s'agglomérer en formant des agrégats, soit c'est des débris de roches, parce que le phosphate, qu'on va voir, il a subi donc un remaniement, un transport. Donc, ce qui fait qu'il y a des débris. Et tout ça, c'est des éléments phosphatés. Je ne parle que des éléments phosphatés, je ne parle pas des éléments non phosphatés. Ce qui est exogong ou ce qui est gong, je laisse de côté. Donc, que les éléments. Et j'ai essayé de spécifier, donc, dans les phosphates marocains, ces éléments, et on peut donc les identifier et les quantifier, et en fonction de leur quantification, on peut donc même arriver à donner parfois, sans faire d'analyse chimique, de dire ce phosphate, il est riche ou il n'est pas riche. Donc on peut évaluer à titre qualitatif la concentration en phosphate donc, dans le sédiment phosphaté. Donc, en même temps, lorsque j'ai essayé d'extraire ces éléments-là, j'ai essayé de les suivre. Donc, regardez la figure A. Ça, c'est des photos prises au meuble, microscope électronique à balayage. Donc, le A, il montre donc des éléments agglomérés. C'est des grains phosphatés qui sont liés par un ciment ou une petite matrice. Là, c'est un ciment. En regardant le B, c'est un ciment qui est carbonaté. En regardant à l'intérieur de ces éléments phosphatés, donc les grains phosphatés, j'ai pu regarder, vous voyez avec moi, des structures donc en forme de bourgeons de bactéries qui démontrent clairement que les grains phosphatés marocains ont subi donc une phosphatogenèse où le corps microbien ont joué un rôle important dans cette biogenèse. Donc sur le terrain, on peut donc voir, identifier ces éléments
phosphatés, donc les grains phosphatés, comme j'ai dit, les grains, les composants phytographiques. Donc, vous voyez donc un phosphate, donc ici, un petit niveau phosphaté qui s'intercale entre deux niveaux siliceux. Et à ma droite, on a le phosphate qu'on voit grossier avec les points blanchâtres arrondis, c'est des coproïdes, soit des débris de semons. Donc, c'est un phosphate ici très riche, un phosphate donc granulaire, donc d'intérêt économique. Et c'est microscopiquement, ces éléments, donc microscopiquement, donc à la loupe, dans les figures A et B, on peut voir les grains phosphatés que je viens de dire, donc les coprolites dans le B, et vous avez des grains phosphatés dans le A. Et toutes les autres figures, c'est des microfaciès, c'est-à-dire des photos prises dans des lames, donc des sections, donc des sections qu'on a préparées spécialement pour regarder la composition de ces éléments. Donc on voit, il y a beaucoup d'éléments, mais globalement, on voit des grains phosphatés, on voit des coprolites, donc les déjections, on voit donc des éléments donc composites, on voit des éléments bioclastiques donc enrobés de matrices phosphatées, on voit donc les grains phosphatés donc en lumière naturelle, en lumière ici par exemple dans le F, on voit donc des grains phosphatés type nubiculaire, c'est-à-dire des encroutés avec de la matière organique à l'intérieur. Donc, on voit qu'il y a des secrets, il y a beaucoup d'informations qu'on peut tirer et qui sont indispensables pour… Donc, normalement, souvent, on oublie que ces éléments-là, lorsqu'on l'étudie dans ce genre, on peut déjà avoir des idées sur le mode de traitement, flottation, par exemple, criblage, granulométrie, calcina, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous donc donner beaucoup d'informations dans les méthodes de traitement. Je vais m'arrêter ici, donc parce que Monsieur Akit va nous parler donc dans Vincent. Après, je vais reprendre la parole pour vous parler de la jeunesse des phosphates marocains. Je donnerai la parole à Monsieur Akit. À vous la parole, Monsieur Akit. Ok, merci Simoufle. Tout d'abord, merci pour votre présentation sur les phosphates du point de vue minéralogique et pétrographique. Vraiment, c'est important de comprendre ça avant de commencer à aller voir au niveau des roches et au niveau des bassins phosphatés marocains. Donc, ma partie va être concernée les bassins phosphatés marocains et les caractéristiques de la série phosphatée marocaine du point de vue sédimentaire et stratigraphique. Aujourd'hui, on va parler un petit peu sur l'historique des phosphates au monde. Les phosphates furent découverts pour les premières fois sur le continent africain par Philippe Thomas en 1873, au sud de Borari, en Libye. Et après, en 1885, dans les niveaux paléocènes des environs de Gafsa en Tunisie, et après en Égypte en 1894, des niveaux Crétacé supérieur, par suite d'autres points du continent africain, que ce soit au niveau de Sina, au niveau de Nigeria et Sénégal. Et la découverte des phosphates au Maroc résulte du courant d'idées. D'une part, les données scientifiques résultant des comparaisons analogiques essentiellement stratigraphiques avec les gisements phosphatés connus et exploités dans les provinces méditerranéennes, et d'autre part, la découverte et les observations des prospecteurs. La découverte des phosphates au Maroc est ralentie en 1912 par M. François Bichet, et puis par la Molinette, et ces travaux et les études des dépôts phosphatés au Maroc ont démarré qu'à partir de 1921, après la création de l'Office charifien en 1920. La phosphatogénèse va se développer au Maroc pendant la période du Crétacé supérieur, et plus précisément
au maestrichien vers le luthicien avec une modalité variable dans les domaines du Maroc, qu'on va parler du nord au sud, le domaine riffin et pré-riffin, où les dépôts phosphatés passeront peu importantes. Et on a deuxième, le domaine mésitien, où on rencontre les dépôts les plus importants, aussi bien par leur extension, par teneur élevée en PdO5. Et on rencontre le gisement d'Ouled Abdou, par exemple, là où l'exploitation commence depuis 1921. Ce bassin dispose actuellement plusieurs sites d'extraction. Et aussi, on trouve le gisement du Gentour, là où l'exploitation commence dans la zone de Youssoufia vers 1931. On a aussi dans ce domaine quelques occurrences de phosphates de faible importance économique dans la région de Beni Mellal. Et pour troisième domaine, c'est le domaine atlantique, comprenant un seul gisement important qui s'appelle le gisement d'Emskala, près de la région de Chichawa. Ce bassin est encore vierge, donc où aussi on a de nombreuses occurrences au niveau de la bordure nord atlantique, à la région, exemple de Aïtouirir. Ouais. On a le domaine atlantique, le domaine sud-atlantique avec les dépôts faibles importance économique dans la région de Sousse et aussi dans la région de Ouarzazate. Et finalement, on a le domaine saharien avec les dépôts de gisements de Bokra qui se situent à 100 km au sud-est de la ville de Laayoune. Ces dépôts phosphatés de Maroc se trouvent dans les divers niveaux de phosphatique, mais les plus importants sont rencontrés, comme j'ai déjà dit, au Crétacé supérieur jusqu'à l'Ulithicien, qui s'étale d'une durée de 31 millions d'années. C'est entre 41,2 et 62,1 millions d'années. Voilà, la série phosphatée désigne une grande séquence positive de troisième ordre, comme indiqué ici, avec qui commence avec des dépôts détritiques jusqu'à la fin avec des dépôts carbonatés au sommet. Et les phosphates les plus purs, bien azoïques et fossilifères, sont toujours intercalés avec des bancs stériles constitués de bancs calcaires ou bien des bancs de silex, des argiles, des dolomites. La superposition de ces séquences traduit une sédimentation rythmique qui s'amortit au moment des dépôts des dernières lits de phosphates. Et les phosphates marocains n'ont pas subi vraiment un grand remaniement important par rapport à leur milieu de dépôt. Ce phosphate aussi au marocain caractérise parfois par une influence de la circulation des ondes météoriques dans certains gisements, par exemple le cas de bassin de Ouled Abdou, où ils ont une faciès de décarbonatation. Là, on a la dissolution des carbonates de la série dans certains endroits du gisement. Aussi, on peut avoir dans les phosphates marocains une silicification. Là, on a une transformation de ligand en silice, et exemple dans le cas de gisement de Bokra. On va commencer par aller sur le gisement ou bien le bassin d'Ouled Abdou. Ce bassin qui constitue plusieurs gisements, par exemple les gisements de Sidi Hajjaj, Ouled Fars, Sidi Chinan, etc. Et ce bassin s'étale sur une superficie de 6800 km², dont 40% sont reconnus et étudiés. Les mines ont encore d'exploitation actuellement dans le bassin d'Ouled Abdou sont les mines de Mrah, Bni Amir et Sidi Chinan. La série phosphatée, par exemple, de Ouled Abdou est caractérisée par et reposée sur un socle d'âge paléozoïque
à Fleury, au nord du massif central et dans le massif des Rahamna. La couverture sédimentaire, on peut la subdiviser en deux parties. Une partie inférieure d'âge cénomanien campanien, c'est le Crétacé supérieur, caractérisée par des dépôts détritiques et qui altèrent vers le sommet avec les marnes et les marnes calcaires et les calcaires dolomitiques. Et une série sédimentaire comme cette figure illustre, là on a, qui est constituée par des alternances, des marnes, marnes calcaires, des argiles avec des niveaux permanents phosphatés. Là, on a des grains de phosphate, comme M. Moufleh l'a expliqué. Donc, sont des niveaux continus dans le bassin. Et pour nous, on voit une évolution latérale là, du point de vue du Jurassique vers les Lutitiens et avec les niveaux identifiés. Pour les mineurs aussi, on arrive à identifier certains niveaux qu'on peut corréler dans le bassin. On fait une nomenclature minière. Avec chaque niveau, on donne un nombre, par exemple la couche 3 ou bien la couche 2. Et on sait toujours que la couche 3 dans le bassin correspond à des phosphates d'âge maestrichien. La couche 2, ils sont d'âge d'âge tanicien, et etc. pour les autres. Voilà. Une étude stratigraphique a été faite pour le bassin, pour la série phosphatée du bassin de l'Adabon, à l'exemple de Sidi Chenin. Là, on arrive à déterminer 11 séquences de dépôts avec une numérotation, ouais, la séquence 0, 1, 2, jusqu'à la séquence 11. On détermine des phases de transgression et des phases de régression du bassin lors du dépôt de la sédimentation. Une évolution de ce bassin nord-est-sud-ouest de cette série montre un approfondissement de la série vers le nord-est du bassin avec un appauvrissement en PdO5 de cette série. Aussi, on a ici quelques photos qui illustrent le maestrichien avec les niveaux que j'ai déjà identifiés dans la nomenclature minière avec la couche 3 supérieure et inférieure avec des argiles rouges qui séparent ce niveau-là. Voilà aussi la couche 2 qui correspond à Danien Tanicien et avec un contact avec les Prisiens, avec d'autres niveaux, que ce soit de la couche 1 ou bien les sillons A. Maintenant, on passe pour le deuxième bassin, c'est le bassin de Guntur. Ce bassin est limité par le massif premier d'Er Hamna et aussi le massif de Jbilat et vers l'est par la colline de Mouisset et l'Oued l'Abid, l'Oued Tassaout vers l'est. Ce bassin s'étale sur une superficie de 3600 km dont le 66% sont reconnus et étudiés. Et les mines qui sont en cours d'exploitation dans ce bassin sont la région de Benguerir et la Rossitis et la région de Mzinda. La série phosphatée de Guntur, comme celle de Oulad Abdoun, il s'est allé sur un socle paléozoïque formé essentiellement des micaschistes cristallins d'Hercynien. Et la couverture sédimentaire aussi, il est subdivisé ici en deux parties. Une partie inférieure qui est purement sédimentaire, caractérisée aussi par les dépôts détritiques, que ce soit des sables, même des conglomérats, etc. On a une couverture sédimentaire, ou bien dites la série phosphatée purement d'âge crétacé supérieur vers le Lutitien. Et cette série est caractérisée par des dépôts essentiellement marneux, griseux, dolomitiques, avec des barres
Gréseux stratifiés avec des stratifications entrecroisées et des fixations des montures d'âge maestrichien, et vers notre, avec l'identification de certains, plusieurs niveaux phosphatés dans le maestrichien qui est très développé ici dans la région de Gentoo. Là, on détermine les niveaux minière ou bien le code minière pour les mineurs, c'est 10 couches qu'on appelle les couches 5, la couche 3, la couche 2 dans le maestrichien. Et après, on a la couche 1 dans le suffisant dans le Dania tanicien qui est caractérisé aussi par les phosphates relativement siltueux avec des dolomites marneux et quelques niveaux d'argile. Mais vers les prisiens, le faciès est devenu plus ou moins siliceux dans la couche de 11 mètres, sableux dans la couche de 11 mètres et siliceux dans le sommet de l'éprisien avec quelques niveaux de phosphaté identifiés qu'on s'appelle ici dans notre nomenclature, c'est l'ICIAN B, C, D et E. Une étude sédimentologique et stratigraphique a été réalisée aussi dans ce bassin d'identifier les différents types de séquences. Et on a identifié 6 séquences de dépôt avec les phases de transgression et de régression dans l'exemple de gisement de Benguerir. Aussi, cette évolution de ce séquence est-ouest qui montre un soulèvement de Hercynia dans le centre du bassin qu'on appelle le soulèvement de Rirat dans la zone. Et on a une augmentation ou bien un approfondissement de la série phosphatée vers l'ouest et la même chose vers l'est, mais plus important dans la partie ouest du bassin. Et aussi une corrélation sud-ouest et nord-est dans les différents sondages ou bien les différentes zones qu'on a réalisées, avec l'identification du niveau phosphaté en utilisant les gamma-ray dans certains sondages, montre aussi un approfondissement du bassin vers le sud-ouest du bassin. Et voici quelques figures, quelques photos qui montrent ces niveaux phosphatés d'âge maestrichien. Là, on voit des niveaux phosphatés qui alternent avec des marnes siliceuses et des nodules silex. Voilà aussi dans le contact maestrichien d'Ania, on détermine ici un niveau de repère qu'on appelle les argiles maestrichiens. Voilà aussi le contact entre le Dania tanicien avec des argiles qu'on appelle les argiles yéprisiens dans notre code de détermination. Et pour le bassin de Mskala, ce bassin est situé dans le domaine atlassé, comme j'ai déjà dit, et il est morphologisé en plusieurs zones sous l'effet de la tectonique et l'érosion. Et ce bassin s'est allé sur une superficie de 1200 km² avec ce domaine, il est reconnu à 100%, il est encore vierge, donc là, le gisement, il est intact, il est aussi. La série phosphatée dans ce bassin est plus ou moins corrélable et plus ou moins la même chose que le bassin de Gentoo avec une quelques légères différences, que ce soit au niveau des niveaux identifiés ou bien la caractéristique de chaque niveau phosphaté. L'évolution de ce bassin montre un approfondissement bien vers l'ouest du bassin. Voilà une photo qui montre les niveaux phosphatés identifiés avec les couches phosphatées dans le bassin de Mskala, à l'exemple de Ouled Bousba. Là, on a des maestrichiens qui vers le lithicien. En haut, là, on peut avoir les carbonates, ce métal, ou bien les calcaires qui coiffent la série phosphatée dans ce bassin.
Aussi, à la base de la série, on a des conglomérats de polygéniques au début du Maastrichtien qui s'étalent sur les carbonates d'âge campanien. Voilà une photo qui montre de la couche 1 avec les différents types de phosphates avec des coprolates. Voilà, vers les prisiens, on peut avoir une alternance des niveaux ou bien des liserés phosphatés avec les niveaux marnes siliceuses avec les nodules de silice qu'on peut avoir partout la photo. Et finalement aussi le gisement de Bokra. Ce gisement de Bokra est situé dans le domaine saharien, dans le bassin de Ouad Dahab. Ce gisement est situé à environ 100 km au sud-est de la ville de Laayoune. Ce gisement s'étale sur une superficie de 330 km², dont les 73 sont reconnus et étudiés. Les mines et ce gisement, comme cette figure illustre, il est subdivisé en trois zones, la zone sud, centrale et la zone nord. Et l'exploitation dans ce gisement est actuellement dans les mines B et D et E. Ce gisement, la série phosphatée de ce gisement, il est plus ou moins typique et différente par rapport à les autres gisements, parce que la série ici caractérise par une alternance des niveaux phosphatés avec des niveaux silicifiés et qu'on appelle parfois des complexes silix. Donc, ou bien des marnes qui sont silicifiées. C'est-à-dire que ce gisement est affecté par une silicification très intense et plus remarquable par rapport aux autres bassins du nord. Aussi, on a étudié la séquence stratigraphique du sujet. On a identifié 9 séquences. Là, on a des transgressions et des régressions. Et l'évolution de ce gisement sud-ouest montre un approfondissement et une apparence de d'autres niveaux en allant du sud vers sud-ouest, vers le nord-est de ces gisements, avec l'apparence de différents niveaux. Par exemple, ici, au niveau de Maastrichtien, on a vers le sud, on a ce qu'on appelle des sables maastrichtiens, des sables non phosphatés carrément. Mais en allant vers le nord, ce sable devenant plus ou moins phosphaté et apparent d'autres niveaux phosphatés qu'on peut identifier vers le nord. Et je crois, j'ai fini. Voilà une photo qui montre les phosphates de la région de Laayoune avec la couche 1 identifiée, avec le complexe qui est marne siliceuse, et quelques niveaux des marnes argileux apparents de quelques entonces. Voilà aussi autre figure sédimentaire qu'on peut voir. Là, on a une bioturbation qui sont très intenses ou bien des figures sédimentaires. Et aussi, on a des coprolites que Monsieur Moufler il a déjà expliqué. Donc, merci pour votre attention et c'est à vous la parole, Monsieur Moufler, pour continuer la troisième partie. Monsieur Meufler, est-ce que vous entendez? Oui. Qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que vous m'entendez, non? Oui, c'est mon frère, tu peux commencer. Je crois qu'on t'attend. D'accord. Genèse des phosphates marocains. Donc, parler de la genèse des phosphates marocains, c'est parler donc comment ils se sont formés les phosphates. Donc, en termes de phosphate genèse, donc c'est les conditions physico-chimiques et biologiques qui ont abouti à former les phosphates marocains. Donc, pour parler de la phosphate genèse, normalement, je vais essayer de la un peu la compartimenter en certaines étapes. Donc, la première chose, donc, je vais parler de la paléogéographie, c'est-à-dire la mère qui a donné ces phosphates. Qu'est-ce qu'ils ont dit les auteurs qui ont travaillé sur les phosphates marocains. Donc, vous avez devant vous donc quatre figures qui montrent que globalement, c'est une mer en bras, c'est-à-dire c'est pas une mer continue, à l'exception de la figure D, donc c'est donc le modèle de Trapp, qui montre que c'est une mer épicontinentale, donc comme j'ai annoncé au début de ce webinaire, donc c'est des sédiments d'une plateforme, donc une mer qui n'est pas très ouverte, une mer donc qui n'est pas beaucoup profonde, donc c'est un environnement, donc c'est un environnement en golfe, donc avec une connexion avec l'océan Atlantique, donc donc des golfs interconnectés. Donc c'est une mer, donc pour moi c'est une mer épicontinentale avec 100 terres émergées parce que il y a une corrélation entre l'ensemble des bassins phosphatés marocains. Donc la phosphatage proprement dite comporte pour moi quatre étapes. Donc la première étape, c'est donc les sources qui vont donc donner le phosphate. Donc le phosphore, comment il va arriver dans le bassin. La deuxième étape, c'est que lorsque ce phosphore il est là, on doit avoir donc des conditions qui vont permettre que l'apatite apparaît donc dans le milieu. L'apatite ne va pas apparaître dans l'eau, il apparaît dans le sédiment. Donc il va se développer. Donc c'est ce qu'on appelle l'apatite genèse. La troisième étape, c'est une formation de couches, donc de la couche. Donc on vient de voir la série phosphatée et les couches phosphatées, et surtout le phosphate granulaire, le phosphate d'intérêt économique, comment il va se former. Donc comme on verra, il y a deux étapes. Et finalement, une étape, une étape diagénétique. Cette étape diagénétique, il va nous permettre donc d'avoir un phosphate donc qui va être altéré ou qui va subir des déformations. Donc, l'étape 1 et 2, donc la source ou les sources possibles du phosphore, ils sont donc, et on ne va pas les confondre avec la formation, mais plutôt c'est les éléments que la nature va donc apporter, il va les prendre comme source. C'est les courants ascendants, donc les apollines, parce que les études océanographiques ont montré qu'il y a des réserves importantes dans les fonds océaniques, et que ces fonds océaniques, lorsque ces eaux-là sont mobilisées du fond vers les plateformes, ils vont apporter donc cette richesse en phosphore par ce qu'on appelle les courants apollines, donc des courants donc montants, ascendants. La matière organique elle-même, parce que c'est ainsi comme on a vu au départ, lorsqu'il y a du phosphore qui va tourner dans l'environnement, eh ben il va exciter la productivité dans le milieu. Donc le biota, lorsqu'il est un milieu il est favorable avec beaucoup de matière organique, et ben elle-même la matière organique, lorsqu'il va libérer ce phosphore, ben suite à aux déjections, au rejet, ou plutôt à lorsqu'ils vont mourir ces animaux-là ou ces êtres vivants, ils vont nous donner du phosphore. Donc l'apport qui vient-il? Le continent. On a vu le cycle, le continent. Donc il peut apporter donc le lessivage du continent. Le volcanisme. Donc l'activité volcanique dans les rides océaniques, donc au fond des océans, donc et elle aussi, il peut alimenter. Et d'ailleurs, nous on avait l'Atlantique qui se formait à l'époque, donc il a joué. Donc tout l'ensemble de ces éléments-là, donc le phosphore, certainement, il serait là. Et bien lorsqu'il serait là, le milieu le plus propice, donc le milieu phosphatogénique proprement dit,
Là où va se former le phosphate, c'est un milieu qui n'est pas très proche du continent, c'est un milieu plus distal, donc à la limite donc de donc du talus, à la limite de la cassure de la plateforme ou la brisure de la plateforme. Donc c'est là donc dans le sédiment et dans les environnements donc où les environnements où on a surtout beaucoup d'apouline, donc de phosphore. Donc, le milieu, donc ce phosphore qui va être transféré à la matière organique, il va apporter, il va enrichir le milieu, et c'est là que le sédiment lui-même, parce que la phosphatase nette, il va se réaliser dans les premières tranches, comme vous le voyez dans la figure A et la figure B. Ce sont deux figures presque la même chose, mais avec uniquement l'intervention, les conditions majeures, c'est l'oxygène. Et l'oxygène, le fluor et les eaux hydroxydes, donc les eaux hydroxydes de fer. On parle de pompe à fer. Donc ces éléments-là, c'est ceux qui vont contrôler la précipitation et l'apparition, les ions orthophosphates qui vont se transformer en une apatite ou en un minéral précurseur. C'est un minéral qui va être dans une configuration. Pour moi, c'est ce que je appelle lorsque j'explique ça à mes étudiants, c'est comme des points d'une maladie qui va apparaître dans un corps. Donc, c'est du cancer, par exemple, qui va apparaître en une tache ou deux, donc sous forme d'élément qui va se propager. C'est comme ça que donc ces phénomènes qui vont favoriser, que j'ai dit, donc c'est des zones suboxiques, donc non pas anoxiques, mais c'est des zones suboxiques, qui vont donc influencer la libération de ces ions orthophosphoriques, ou orthophosphates, dans les sédiments, et vont favoriser la formation de la francolite. Également, donc, la dissolution même au niveau, donc, de ce qui est fer lié aux oxydes, c'est elle aussi qui va, donc, jouer un rôle important. Donc, finalement, on aura quoi? Une apatite précurseur qui va nous donner, un phosphate par la suite. Proprement dit. Donc, ça, c'est le sédiment qu'on va former au départ, c'est un sédiment dit pristine, primaire. Et si on va l'analyser, il va avoir des teneurs qui ne sont pas comme les teneurs donc, dans les phosphates qu'on a sur le terrain actuel. Pourquoi? Parce que vous avez une figure qui est à gauche et une figure à droite. La figure à gauche, il vous donne l'exemple de phosphates pristines. C'est des phosphates avec de minces niveaux, riches en quelques éléments. Mais au fur du temps, ils vont vivre avec les courants. Donc, ce milieu phosphatogénique ou phosphatogène, avec donc de minces niveaux qui vont apparaître en croûté, etc., riches en matière organique et beaucoup de fin. Et on aurait donc les fluctuations du niveau marin, c'est-à-dire la hauteur et le niveau du niveau marin va rester en montée. Il va faire quoi? Il va donc jouer sur donc l'interface sédiment, par surtout lorsqu'on aura des courants, surtout des courants de tempête ou des courants donc de la houle. Donc le phosphate, donc la figure, donc juste à droite, vous avez le phosphate, c'est en couleur, il va être remobilisé, vanné et transporté, et c'est là que va apparaître le phosphate granulaire. Le phosphate granulaire et le phosphate d'intérêt économique. Donc, le vannage des grains par les courants de tempête produit donc un phosphate d'intérêt. Et c'est ce qu'on a dans le Maroc. C'est ce phosphate qu'on a dans les phosphates du Maroc central et au niveau du Sahara Maroc. La superposition de ces événements, c'est ce qui est encore intéressant, la superposition de ces événements aussi, si vous voulez, ces phénomènes, ils vont donner donc la couche phosphatée. Donc, au départ, c'était des petits niveaux, des petits lits, mais pour former une couche donc de plus de 1 mètre d'épaisseur, c'est un ensemble, c'est une brique de niveaux de reprise donc de phosphate, donc d'intérêt économique, de phosphate granulaire, de phosphate riche,
parce que il y avait cette remobilisation par des courants, par l'action de la vague sur ces phosphates. Je vous le montre ici en photo. Donc, à gauche, vous avez donc le fameux niveau repère donc à Hogenthal avec des vibrations. Et en même temps, vous pouvez voir, vous voyez des petites indications. Là, c'est des niveaux d'érosion. Des niveaux d'érosion dans les. La même chose en photo à gauche, aussi à droite plutôt, là où il y a le marteau, vous voyez donc des vibrations. Et juste après, avant et même après, donc une amalgamation donc de niveau de phosphate, de reprise, et donc c'est des phosphates d'intérêt économique, donc c'est donc une amalgamation de couches en superposées qui vont donner donc la couche phosphate. Et d'ailleurs, Trump, il a essayé d'expliquer ça dans un phénomène, donc dans un schéma, en 1990, en parlant donc de l'influence de la baisse et de la montée du niveau marin, qui va permettre donc la remobilisation, le remaniement et l'accumulation secondaire des phosphates sur une plateforme donc en Europe. Donc pour confirmer ça, argumenter ce qu'on a dit, et là on a des structures et des fugues sédimentaires qui le montrent. Là vous avez des structures en fugues sédimentaires typiques de ce qu'on appelle les trompettes et les trompettites. Donc, et donc des structures en hard stratification, et c'est des structures donc qu'on a trouvées dans les gisements de Bouchain au niveau de la région du Souvier. Donc, en grande structure d'amalgamation ici dans le bassin, dans le gisement de Mégril, donc au passage donc du Danien Tanésien. Donc, également l'altération météorique, comme l'a souligné mon ami Rakit, donc il va, elle aussi, donc c'est la phase, c'est la dernière phase donc qui va apporter, si vous voulez, ces derniers touches sur le phosphate marocain, et c'est elle qui va donc configurer, donner, si vous voulez, le maquillage final. Souvent, on a donc des phosphates carbonatés, des phosphates rubifiés, etc. Ça, c'est quand même. Ou parfois, on a même des dérangements, c'est-à-dire des structures qui vont apparaître, déformer la série. C'est ce qu'on appelle les fameuses structures de dérangement. Et c'est des perturbations de la série. Ça, c'est des phénomènes postérieurs, n'ont aucune relation avec la phosphatogenèse, n'ont aucune relation, ce sont des phénomènes dus à de la calcification en bas et avec un effondrement par la suite. Et ils sont polyphasés avec plusieurs scénarios qu'on peut imaginer. Donc, pour un peu terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour vous donner plus de temps pour qu'on réponde à vos questions, donc j'essaie de conclure sur ce qu'on vient de voir ensemble. Donc, les phosphates du Maroc globalement constituent comme dépôt et préservation, donc 72% des réserves mondiales. D'accord ? Donc, leur composition minéralogique, géochimique et pétrochimique, on a vu ensemble, mais un peu rapidement. Donc, c'est la base, c'est la corne fluoroapatite, c'est elle qui porte le minéral phosphore, qui porte l'élément chimique phosphore. Il y a les argiles, il y a d'autres éléments minéralogiques. Aussi, on peut les valoriser à condition qu'on donnera une attention à ces éléments-là. Et cette carbone fluoroapatite, on vient de voir, il est riche en éléments chimiques, en éléments terres, en terre, etc. Les éléments figurés, c'est des coprolites, des phosphatés, tous ces éléments-là, lorsqu'on va les étudier, nous permettront de mieux traiter et mieux valoriser la phosphate. La série phosphate est donc notre sédimentation rythmique en couche d'aspect granulaire. Je viens de montrer que ces phosphates mis en place par un hydrodynamisme important. Donc, ce n'est pas un milieu phosphatogène primaire, ça, c'est un milieu de dépôt. Cette série s'organise en séquence de troisième ordre, le cycle marin
mais toute la série, on peut l'intégrer dans un cycle de différence. C'est pour ça que l'intérêt économique sont issus d'un remaniement et de transport, donc plus ou moins important en fonction des zones, d'un phosphate protéinique moins riche en pyrozone, formé dans des zones plus distantes du côté atlantique. Et merci pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, on est là, on peut vous répondre, on va essayer de partager avec vous, parce qu'on est à plusieurs parfois rapide, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. L'archive de nos phosphates, phosphates marocains, ici, il est riche, il y a beaucoup de travaux. Donc, on va essayer de faire notre mieux de répondre à vos questions si vous avez des choses à éclaircir. Donc, il y a une question devant moi. Donc, la question dit, il y a donc, une personne qui travaille sur les intercalaires et s'intéresse aussi à l'air. Quelle est leur abondance et genèse, ainsi que leur propriété dans les gisements de Bénédicte? Oui. Donc, je vais répondre, je vais la parole si c'est un petit peu encore. En fait, si on regarde l'acidification des phosphates marocains, il est plus important les gisements du sud, dans les gisements de ghetto, l'acidification il est plus important que dans le galège. Voilà un peu, donc ça c'est déjà, disons, c'est-à-dire les intercalaires, donc montre une situation, mais l'acidification il est différent. Il y a de l'acide qui se forme de bancs, il y a de l'acide sous forme de concrétion, sous forme de nodules, sous forme de. La configuration de l'acide, il est variant. Donc, on a les mêmes marbres qui existent. Donc, plusieurs catégories. Si on veut valoriser ces matériaux de roche, eh bien, il faut normalement cibler les intercalaires. Et, par exemple, les intercalaires qui se trouvent vers le haut de l'acide, ils sont des marbres siliceuses, c'est des porcelaniques. Ils ont plus d'intérêt en termes de matériaux abrasifs, etc., que les matériaux plutôt en silex, en roulant, par exemple. Mais globalement, la silice, il est toujours présent. Et souvent, on parle dans les phosphates de ce qu'on appelle la trilogie. Souvent, on a le phosphore, on a la matière organique et en plus, la silice. Ces trois éléments, lorsque vous parlez de phosphate, vous allez trouver de la silice, lorsque vous trouverez de la silice, vous trouverez de la matière et ainsi de suite. Donc, c'est un cube, il est toujours dans ce sens. Donc, la question de Mademoiselle Sarah et Cécile, bonsoir. Pour les propriétés sédimentaires, pour les phosphates sédimentaires au Maroc, quelles sont ses principales caractéristiques dans le bassin ou le delta? Je pense que la question est à toi. Oui, c'est ça. Oui. Apparemment, j'ai déjà parlé un petit peu sur l'évolution nord-est et sud-ouest, les caractéristiques de la série phosphatée. Cette série est caractérisée par un épaississement des couches phosphatées ou bien de la série des séquences sédimentaires dans la série phosphatée. Là, on a un épaississement de la profondeur et de l'épaisseur des couches phosphatées, et ceci s'accompagne avec un appauvrissement de ces couches en PdO5. Vers l'est du bassin, vers la zone de Tedla, l'éprisien, par exemple, il devient plus sableux, donc il n'est pas phosphaté à tout.
Donc, mais vers, par exemple, vers le sud, là, on, si on parle, on allait vers les montagnes d'Atlas, le phosphate change, devient plus ou moins noir. Donc, on parle du phosphate noir avec qui est riche en matière organique. Et aussi, en allant vers l'ouest, le nord-ouest, vers le gisement de, par exemple, Sidi Hajjaj et Mérizik, le phosphate ici, il est touché par le phénomène que j'ai déjà parlé, c'est la décarbonatation. Là, on a des eaux de météorites qui affectent toutes les roches sédimentaires, que ce soit des roches carbonatées, on a une décarbonatation. Donc, tous ces changements au niveau des faciès et d'évolution des faciès dans le bassin permettent aussi et aussi on parle de ce qu'on appelle le recouvrement. C'est la limite entre la topographie et la première couche phosphatée à exploiter. Donc, si on allant vers l'ouest ou bien vers le sud, on a une profondeur très importante de ce recouvrement. Donc, ce sera une contrainte. Et aussi, on a la nappe au niveau de ce faciès qui aussi. Tout ça sont des challenges pour les géologues et pour les mineurs aussi dans ce bassin de Oulada. Donc, qui est un grand bassin au niveau du monde. Et à vous là. Donc, Younes Ivry, merci, notre professeur, pour cette présentation. Ma question, quelles sont les conditions de formation du phosphate? Quel est l'intérêt de ces phosphates? Ben, je commence par l'intérêt. J'ai essayé un peu de le présenter au départ de ce webinaire. Donc, on cherche dans les phosphates le phosphate. Bien sûr, il y a d'autres éléments que comme j'ai montré, donc dans la pratique, il est riche en éléments. Mais le phosphore, c'est le principal élément chimique qu'on cherche. Pourquoi? Parce que cet élément est très recherché pour produire les engrais. On produit les engrais parce que c'est des fertilisants. Les engrais phosphatés, bien sûr. Il y a d'autres types d'engrais, mais les engrais phosphatés. Ça, c'est la première des choses. En termes de formation, comme je viens de le dire, donc le phosphate, il se forme donc dans la première tranche du sédiment. Donc, il ne se forme pas dans l'eau, comme par exemple pour les carbonates. Les carbonates, ils vont se précipiter dans l'eau. Dans l'eau, ils vont tomber. Donc, ils tombent donc dans l'eau et tombent. Alors que le phosphate, il est diégénétique. Il se forme dans le sédiment. Parce que dans le sédiment, donc, lorsque des appuis arrivent, ils vont enrichir le milieu. Et ils vont donc exciter la productivité, la matière organique, tout ce qui est biomasse, tout ce qui est biotravail, se développer en grande quantité. Et ces éléments, lorsqu'ils vont se développer, eux-mêmes, lorsqu'ils vont mourir, ils vont tomber dans des déchets, ils vont tomber sur l'interface au sédiment. Donc, le phosphore dans ces éléments-là va passer dans le sédiment. Et on a vérifier dans le milieu actuel où il y a la phosphatogénèse actuelle, on a trouvé que dans les 20 cm de ce sédiment, la concentration en phosphore, il est 20 fois, 15 fois plus que la concentration dans l'eau. Donc, il y a une concentration importante. On doit avoir une concentration en phosphore dans le sédiment. Et comme j'ai dit tout à l'heure aussi, il y a l'oxygène, c'est important. Donc, on doit avoir donc un taux d'oxygène modéré, pas trop fort, pas trop faible. Donc, s'il y a pas d'oxygène, on aura un confinement, on n'aura pas de matière organique qui va être oxydée, qui va libérer le phosphore. On va former plutôt des cis butyminures, on va former, on va conserver la matière. Il y a aussi, comme dire, le fluor. Donc, dans l'interface sédiment-eau, ce fluor qui va se diffuser, lui, parce que l'apatite, il a besoin du fluor pour l'incorporer. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la pompe de fer. La pompe de fer, donc le fer qui est lié à des oxydes. Donc, il est donc, au milieu d'oxygène, en termes de bactéries, il y a des bactéries nutrifiantes, des bactéries oxydantes, qui vont jouer un rôle aussi de le libérer. Donc,
Donc, lorsque il est libéré, donc notre ion orthophosphate est disponible. Donc, on peut, à un moment donné, former des petites taches donc de phosphate donc dans le sédiment qui peut se propager par la suite et nous donner un sédiment très phosphaté par la suite, qu'il faut donc à un moment donné passer à un milieu agité, dynamique, etc. Voilà un petit peu en gros ce que je voulais expliquer sur comment il se forme les phosphates. Et merci. Voilà, donc je suis très content et j'espère qu'on était un peu en hauteur et qu'on a essayé de vous apporter plus d'éclaircissements sur ce nouveau phosphaté, la préservation. Moi et mon ami Akit, certainement on n'a pas beaucoup de temps pour cibler certaines choses, mais on a essayé de vous apporter l'essentiel. Et on espère à la prochaine fois et de vous porter plus de choses et soyez le bienvenu la prochaine fois. Donc, c'est Edoui. D'accord, c'est Akin. Allez, au revoir.